ça pourrait être pertinent de savoir comment créer une copie d'une activité dans Smart Learning Suite Online. Par exemple, si vous avez plusieurs groupes et que vous souhaitez garder la progression de vos élèves. Donc, dans cet exemple, ici, j'ai une activité sur le plan cartésien. Si je débute ma leçon, je peux retrouver la progression de mes élèves. Je souhaite refaire cette activité-là avec un nouveau groupe. Donc, si je clique sur la roue dentée ici et que je mets fin à l'activité et que je la recommence avec un nouveau groupe d'élèves, j'ai cette note qui apparaît. On m'informe que ma nouvelle activité effacera le résultat de mon activité précédente. Donc, ce n'est pas ce que je veux faire. Ce que je peux faire dans ce cas-ci, je vais cliquer sur « Annuler ». Je vais retourner à mon menu principal. Et en cliquant sur les trois petits points, je vais pouvoir faire une copie. La copie peut être faite avant la distribution de l'activité et c'est recommandé. Je vous explique dans quelques minutes pourquoi. Mais sinon, je peux la faire à tout moment. Après quelques secondes, mon activité est copiée. Donc, je vais cliquer sur « Modifier » pour aller changer le titre. Donc, je ne voudrais pas garder « Copie de ». Donc, je vais juste effacer et je pourrais mettre, par exemple, le nom du groupe ou le numéro du groupe et cliquer sur « Terminer la modification » si c'est la seule chose que je veux changer. Dans ce cas-ci, on voit que mon activité principale avait été distribuée individuellement. Donc, c'est pour ça que je préfère créer mon activité, en fait, la copie de mon activité avant donc de créer un original, puis faire une copie pour chacun des groupes là, pour éviter d'avoir à faire cette étape-là. Donc, si je veux changer, par exemple, ma distribution, passer de individuel à une activité de groupe ou d'équipe, eh bien, je n'ai qu'à cliquer sur « Modifier ». Et là, on va me dire que ça va effacer les résultats, mais c'est correct puisque je suis dans ma copie. Et je vais pouvoir venir convertir dans un autre type de distribution, donc collaboratif ou distribution individuelle. Donc, dans ce cas-ci, je vais aller, par exemple, en mode collaboratif et je peux maintenant terminer la modification. Et je suis prête à commencer l'activité avec un autre groupe.